L'action pour la démocratie et le développement au Congo, son président national, la presse Epengé, est bel et bien sur ce plateau pour votre émission Écopole de ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien aimés dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h25 sur les antennes et télévision. Et je dis bonjour à tous qui vont devoir nous suivre le jeudi, mais cette fois-ci en rediffusion, toujours sur la même chaîne, Kalakim, la télé-vérité. Pour une seconde fois, je reçois M. Prince Epengé. Avec nous, nous allons devoir parler de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Prince Epengé, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. Et bonsoir à ceux qui nous suivent. Un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, surtout quand on parle de la République démocratique du Congo dans ses aspects positifs et négatifs. Merci pour cette nouvelle invitation et cette confiance renouvelée. Je vous sens très en forme. On est en forme parce qu'on est au front. Quand on est au front, on peut être en forme. Le Congo a besoin de nous, surtout en ce moment où nous amorçons le dernier virage électoral. Autant être en forme pour défendre les Congolais et le Congo. Nous allons parler de la SONU, nous allons parler de l'économie en général, étant République démocratique du Congo. Nous allons parler du dialogue parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait un dialogue ici en RDC. On se rend compte que les choses sont en train de piétiner. Et pour terminer, nous allons commencer d'abord par ce sujet sur le sex-staff des écoliers. Beaucoup de parents réagissent sur ces vidéos, sur les réseaux sociaux. Nous allons essayer un peu d'évoquer les responsabilités des uns et des autres pour voir si dans l'avenir, ce genre de pratique ne peut plus revenir. Monsieur Pes, Epengé, je crois que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y a eu des écoliers qui se sont mal comportés. Sur les informations, c'était juste après les examens d'État, pour dire de certaines personnes. Nous sommes encore en train de vérifier. Là, je m'adresse aux parents que vous êtes. Est-ce qu'il y a des responsabilités à dégager ou il faut encore recorser l'éducation des enfants au niveau des écoles, comme le font les catholiques, bien sûr? Comme parents, d'abord, c'est décevant, c'est dévalorisant et c'est extrêmement grave. Cette déviation. Les comportements de nos enfants, ce sont des mineurs, ces filles, ces garçons, est un comportement à réprimer, à condamner et surtout à faire en sorte qu'il ne se répète plus. Parfois on se dit, ben, est-ce que c'est la maison qui n'a pas fait son boulot, je veux dire les parents, où c'est l'école? L'éducation partagée, l'éducation et l'instruction commencent à la maison, mais elle s'achève aussi dans les institutions scolaires. Et donc, on se dit, d'où viennent les problèmes? Mais comme acteur politique, comme un homme d'État qui est censé être un modèle, moi-même, j'étais dernièrement dans une école de la place où j'étais le jour même où les enfants terminaient les examens, j'ai été reçu par des dizaines des élèves finalistes, filles comme garçons, qui m'ont dit principe que vous constituez un modèle pour nous. Tout de suite, je me suis posé la question, je suis modèle pour vous en quoi? Tu défends bien la nation. J'étais fier. Mais supposez que moi j'étais quelqu'un qui avait un comportement déviationniste, comme voilà, déviationniste. Je pense que je me serais inquiété. Aujourd'hui, je dois dire que notre génération, vous savez que chaque génération qui arrive dans la société arrive un peu comme un envahisseur. Et s'il ne trouve pas des codes sociaux, s'il ne trouve pas une moralité ou un comportement des aînés censés les guider, eh bien, il peut inventer son propre comportement. À cela, on doit ajouter les virages de nouvelles technologies qu'on a mal négociées. L'homme blanc, quand il invente un téléphone, ce n'est pas pour répondre aux questions des Africains avant tout, ou des Congolais. L'homme blanc a inventé pour répondre aux questions et préoccupations de sa propre société. Quitte par la suite, bon, le vendre pour des économiques. Ce qui fait que nous, quand nous utilisons l'Internet, les smartphones, il y a toute une philosophie, une pédagogie qu'il faut imprimer dans la société. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de presque tout le monde, les smartphones, et avec les habits également. Et les pouvoirs publics doivent réglementer ce système. C'est comme aujourd'hui, par exemple, Facebook. Normalement, on doit réglementer
On publie n'importe quoi. Vous évoquez une question très technique, même la Chine a du mal jusqu'à présent à continuer. La Chine essaie avec les moyens de... Exactement. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on doit diffuser? Qu'est-ce qu'on ne doit pas diffuser? Qu'est-ce que les enfants doivent voir? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir? Avant tout, c'est la responsabilité également du pouvoir public. Aujourd'hui, les enfants accèdent à n'importe quelle image sur les smartphones, alors que les nouvelles technologies peuvent nous permettre notamment de censurer, de faire des recherches. Voilà. Oui, pour des raisons éducatives, bien sûr. L'outil est créé pour ça, l'Internet. Mais il y en a qui en profitent pour faire d'autres usages. Nous sommes dans une situation de fait, M. Prince Etengue, c'est-à-dire il y a eu cette situation, mais nous sommes en train de se dire pour l'avenir, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des voix qui se lèvent d'abord pour exclure ces élèves dans les établissements. Il y a la ministre des droits humains qui s'est opposée, qui a dit qu'on ne peut pas exclure ces enfants, on doit trouver d'autres solutions. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour dissuader ces jeunes à l'avenir pour qu'on puisse plus revoir ce genre de vidéos? Avant de parler de la sanction administrative ou du sort de ces enfants, je voudrais parler d'abord de nous comme responsables. On dit que le besoin de l'identification est une pente naturelle. Nous, quand nous grandissons, ou quand les enfants grandissent, ils ont besoin d'un modèle. Et en imitant ces modèles, ils construisent à leur tour leur propre personnalité. Mais aujourd'hui, la société congolaise est en crise de modèles. Elle n'a plus de modèles. Dans un pays où les ministres tournent les films pour nous, les députés tournent les films pour nous, des pasteurs font des films pour nous pour dire clair. Des pasteurs, des hommes dédiés, des musiciens. Dites-moi, les valeurs. Les enfants ne peuvent recopier ce qu'ils veulent. Est-ce que nous ne pourrons pas le prix de notre propre timidité, de notre comportement inconséquent? Nous, parce qu'on parle de l'élite. Il y a l'élite musicale, il y a l'élite politique, il y a l'élite éducative, si vous voulez, il y a l'élite, c'est pas pastorale, c'est pas si religieuse, mais dans toutes ces sphères-là, Et l'échelle des valeurs a été inversée ou inversée, si vous voulez. Si les pasteurs tournent le film pour nous, Kinshasa, on a déjà assisté à cela. Des avocats, des magistrats, des médecins, des politiciens, alors que nous sommes censés être des modèles. Et comme je l'ai dit, si on s'identifie à un modèle, on construit sa personnalité autour de ce modèle-là. C'est comme ça qu'on s'identifie à Lumumba, c'est comme ça qu'on s'identifie à Kimbangu, à Kimpavuta. En ce qui concerne le nationalisme et l'unité nationale, on s'identifie à Mobutu. Et si Mobutu était aussi un type qui tournait des films de ce genre, ce n'est pas impossible que demain vous voyez des enfants qui s'identifient à Mobutu de cette manière-là. On est dans une société qui est en crise de modèles, et nous, la nouvelle génération, nous devons avoir des modèles. De la même manière aujourd'hui, demain, n'essayez pas, et c'est de voir un jeune qui dit, moi, les élections, je peux aller, je peux toucher, je peux devenir président. Parce qu'on nous habitue, nous-mêmes, à avoir des présidents, nous-mêmes. Donc, tout ce que nous faisons a des conséquences sur le plan philosophique, mental, et nos enfants risquent de prendre ça comme de modèle. Mais par rapport à la sanction, ce que j'ai entendu là, oui, ces enfants-là se sont mal comportés. Oui, ils ont mal agi. Ils doivent être sanctionnés. Les inscrits de l'école, je suis d'accord, parce que là, ils ne peuvent plus fréquenter les amis avec lesquels ils étaient dans cette école-là. Je suis d'accord que ces enfants doivent être chassés de leurs écoles, quitte à maintenant les amener dans d'autres écoles. Mais tel que j'ai entendu, qu'il faut les interdire, les systèmes éducatifs congolais, non, ça c'est violer la Constitution. Les droits à l'éducation, je ne sais pas si le manuel ne travaille pas, article 41 de la Constitution. Le droit d'accès à l'éducation, c'est un droit garanti par la Constitution. Mais c'est Tony Mwamba qui voudrait prendre une telle mesure. Lui, il venait d'être accusé d'avoir tenté de détourner 16 millions de dollars. Vous parlez d'accusation. Par les Gates, oui, bien sûr. Donc c'est juste des accusations. Si cette somme a été détournée, oui, elle a été détournée. Parce que jusque-là, on ne comprend rien. Vous avez remarqué que les enquêtes dans les Gates s'arrêtent toujours quelque part. Alors, si le rêve de l'ouvrage est religieux. Oui, bien sûr. Si Tony aurait détourné ces 16 millions de dollars, est-ce qu'on l'aurait banni de la société? Parce que là, il dit qu'il faut bannir ses élèves du système éducatif congolais. Non, monsieur. C'est une décision irréfléchie, émotionnelle et populiste. Monsieur Tony, vous n'avez aucun pouvoir, aucun droit.
de violer la Constitution en bannissant ses enfants du système éducatif congolais. Il faut les punir, nous sommes d'accord, il faut les punir absolument. Moi, la punition, c'est qu'il faut les inscrire de cette école-là. Ils ne peuvent pas fréquenter les autres pour les influencer. Mais de la même manière aussi, sont dit, les musiciens ici, ceux qui sont de l'élite musicale, qui ont fait des vidéos pour nous. Pourquoi la société n'a pas cherché des sanctions? Parce que ça, c'est des modèles. Et des pasteurs qui l'ont fait. Vous êtes restés qui l'ont fait. Vous êtes restés sur la manière de dissuader. Apparemment, c'est non, la manière de dissuader, c'est que les parents ont une responsabilité de savoir les fréquentations de leurs enfants, qui les enfants fréquentent. Mais le gouvernement, on va comment le laisser flou sur la manière. L'habillement également de nos enfants aujourd'hui, les met dans des conditions assez litigieuses. Mais l'école également, de par l'éducation qu'ils reçoivent dans les écoles, l'État également, ça n'a pas de responsabilité. L'État doit faire tout pour savoir qu'est-ce qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui ne peut pas être diffusé sur les réseaux sociaux. Parce que je vous dis, l'arrivée, l'intrusion de nouvelles technologies dans nos vies a une part de responsabilité par la manière un peu de vendander avec laquelle nos enfants se comportent aujourd'hui. Nous allons y revenir. Prince Epengé, aujourd'hui, les gens se plaignent toujours. Là, je fais allusion à vous parce que vous êtes politique. En ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, je veux dire, je parle de l'économie ici en République démocratique du Congo. Il y a eu des notes au niveau des ministères, surtout de l'économie. Il y a eu des mesures pour essayer de redresser, de rabattre les prix pour permettre à la population de respirer. Mais on se rend compte que ça fait déjà 2 ans que les choses n'évoluent toujours pas dans le sens positif. Est-ce c'est un problème dû au contexte international, là je fais allusion au Covid, ou c'est un problème propre aux Congolais, un problème de management, un problème d'orientation? C'est un problème de management, c'est un problème de la pensée politique, c'est un problème d'improvisation aussi de certaines décisions. Nous, dans la MUCA avec le président Eli Martin Fayulu, avec mon partenaire de Congo, on aurait agi différemment et efficacement. Ah, ça dit que dans un pays où on ne produit rien, bien sûr, c'est rien que vous faites. C'est pour ça que nous ne produisons pas. Vous avez raison. L'économie a ses lois. Et notamment la loi de l'offre et de la demande. À ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, notre souhait au sein de la coalition de la MUCA, c'est que les produits baissent. Parce que les Congolais ont un pouvoir d'achat suffisamment faible. Les Congolais n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas cette capacité d'acheter aujourd'hui, d'acheter demain avec les mêmes prix et avec les maigres salaires. Ce qui fait que l'État doit créer des emplois. L'État doit favoriser la concurrence. Parce que la concurrence bénéficie aux clients ou aux consommateurs. Et pour le cas sous examen, qui est le cas de la décision qui a été posée par le ministère de l'économie, c'est une décision populiste qui n'a pas tenu compte des réalités. L'État ne produit absolument rien. D'ailleurs, ça aurait été simple. L'État n'a même pas besoin d'aller négocier avec le patronat. L'État aurait tout simplement importé lui-même. Bien évidemment que la Banque mondiale n'aurait pas accepté cela, parce que maintenant, Félix dépend totalement de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'aurait pas accepté que l'État puisse entrer dans ce domaine-là. Mais l'État aurait dit, voilà, nous on importe. Il y a des poulets qui se vendent à 9 000 francs. L'État amène ces poulets, il les vend à 3 000 francs. Qui est ce Congolais qui va laisser les poulets qui se vendent à 3 000 francs pour aller acheter là où on vend à 9 000 francs? Personne. On achèterait chez l'État. Et ça obligerait le patronat de baisser le prix. Je pensais que vous allez peut-être revenir sur une production en interne. Non, encourager la production locale, encourager l'initiative de manière interne, mais vous restez encore dans la vie de ces exportations qui nous coûtent énormément de milliards. Non, parce que ce sont des milliards qui sont faits. Je vous dis, dans le cas, parce que ce qu'ils ont voulu faire, c'est une mesure radicale, ça tenait compte des lois du marché. Le point de rencontre entre l'offre et la demande, c'est ce qu'on appelle en économie le point d'équilibre.
ça veut dire que les produits qui se vendent, la demande doit correspondre à l'offre et l'offre doit correspondre à la demande. Quand vous voulez déséquilibrer ce rapport-là, eh bien, vous créerez ce qu'on appelle le marché noir. Alors, la production, oui, bien évidemment, tout commence par là. La production locale. La production locale et les producteurs locaux. Mais parce que dans cette affaire ici, vous ne savez pas faire les distinguos. Vous savez que on parle de céréales, on parle de poulet, de Saint-Charles, on parle de quoi encore de coques de porc et de porc. Mais ça, ce sont des produits que nous exportons. Mais pourquoi dans ce package-là, on ne parle pas de ce que nous produisons ici? Sac de riz, sac de farine de manioc, sac de haricots, sac de maïs. À quelle quantité? Et pourtant, à quelle hauteur? Bien sûr que nous ne produisons pas suffisamment pour nourrir tout le Congo, nous ne produisons pas suffisamment pour exporter. Mais, parallèlement, ces produits que je viens de vous citer, que nous produisons localement ici, sont en train de prendre l'ascenseur. Mais, dans une certaine mesure, ce serait beaucoup plus facile de baisser le prix des produits que nous produisons ici, plutôt que des produits que nous importons ailleurs. Et d'ailleurs, je dis, il y a un vrai débat si le caractère nuisible de ces produits c'est notre santé. Avec les forêts, la conservation, les renouvelés, on sait qu'à 6 ans. C'est pourquoi on dit aux Congolais de beaucoup plus manger le local plutôt que de manger cette séchère-là, qui finissent par mourir de malades. Et Dieu seul sait qu'on n'a pas des hôpitaux ici pour traiter les cancers et autres. C'est pourquoi vous voyez, chaque premier ministre est malade, il est obligé d'aller à l'extérieur. 60 ans après l'indépendance, même le papa Kabila Moussengo est obligé d'évacuer, alors qu'on devait normalement le prendre en charge ici. C'est une honte pour une lutte politique congolaise. Donc pour moi, tout est de la production. Il faut investir. On nous a dit avec le premier gouvernement, Félix avait dit qu'il décrétait le paiement du sol si le sous-sol. Ça veut dire qu'il donnait la priorité à la vérité plutôt qu'à la richesse minière. Mais dans les actes de Félix, c'est une contradiction. Depuis qu'il va à gauche et à droite et sillonne le monde, il ne signe que des contrats pour l'exploitation de nos minéraux. Mais jamais un contrat si l'agriculture, on a 34% de terres arables. C'est quand même énorme. Énorme. Un pays comme le Sénégal est 70% désertique. Mais le Sénégal a interdit l'importation de poulet. Mais quand vous faites allusion... Le Sénégal est produit, c'est pas de tirer à l'intérieur. Généralement, vous avez l'habitude de prendre le Sénégal à Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas les mêmes dimensions, les mêmes proportions en termes de la population, en termes de la superficie. Donc ce ne sont pas les mêmes réalités, en fait. C'est pas la même réalité, c'est une analyse comparée. D'ailleurs, c'est une analyse comparée très bien favorable, si vous voulez favorable pour le Congo. J'ai connu le cas du Sénégal, qui est un pays en 70% désertique. Nous, un pays qui a 34% de terres arables, c'est-à-dire qu'un pays où il pleut toute l'année. Et nos terres à l'est du Congo sont favorables pour élever des vaches. Et un produit suffisamment pour nourrir tout le Congo. Nous sommes dans un pays où il suffit seulement de jeter des graines et ça pousse, ça que vous ayez arrosé. Mais le Sénégal, il faut irriguer. Mais ils produisent, ils mangent. Un pays sénégalais. Alors, c'est là où maintenant, c'est une malédiction congolaise, c'est un déficit des innovations. Mais on ne peut pas comprendre cela. Le petit Rwanda ici, plus de 600 millions de dollars, je vous dis que dans l'année passée, en termes de superficie, bien sûr. Bien sûr. Merci pour la On parle de plus de 600 millions de dollars ou 400 millions de dollars de revenus du secteur agricole. Et nous, au Congo, ici, en 2020, on avait investi, je crois, moins de 30 millions de dollars dans l'ensemble de projets agricoles. Mais pas, je ne parle pas, on ne dépasse pas 15 millions de dollars. Donc, ça veut dire que, quelque part, nous ne savons pas ce que nous voulons. Or, dans le budget, même dans le budget où on peut annoncer les intentions, mais vous allez voir le budget réservé à l'agriculture, tous les projets agricoles, l'exécution du budget ou des prévisions budgétaires dans les projets agricoles n'a pas dépassé 50% l'année passée. Et pourtant, Félix a déclaré la priorité de l'agriculture, c'est les richesses et les sous-sols. Il y a eu un contexte très difficile, j'ai évoqué au début. Contexte Covid, sachez que vous êtes d'accord avec moi, peut-être, j'imagine, peut-être que c'est dans ce contexte qu'il a eu du mal à
bien mettre en place sa politique agricole, par exemple. Vous savez qu'il y a des pays qui ont fait de la croissance pendant la Covid. Non, monsieur. Ce n'est pas une raison. D'ailleurs, c'est pendant les difficultés qu'on crée, qu'on invente, qu'on innove. Et la Covid était une bonne opportunité pour que là où on attendait que l'extérieur nous donne, que nous ne puissions pas la créer par notre génie propre. Et donc, les Occidentaux ont eu du mal à se développer. Pourquoi ? L'Europe, qui est le vieux continent, n'avait pas de modèle. L'Europe n'avait pas un modèle, ce qui calquait Mais nous, on ne peut plus faire le même parcours ou la même trajectoire que l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a déjà créé, on a déjà inventé l'avion, on a déjà inventé la voiture, le train et tout ça. Pourquoi sommes-nous obligés de marcher à pas de tortille? J'étais avec un vieux qui, moi, ici, qui était né aux années 40, qui m'a dit, est-ce que vous savez que dans cette ville ici, aux années 60, nous avions des lignes de bus électriques? Il y avait des bus électriques à Kinshasa jusqu'à 67. Avant l'indépendance. Non, même après l'indépendance, des bus qui étaient communes de Kinshasa ici, qui prenaient la route ici, à Kazabougou, jusqu'à l'Indépendance. Des bus électriques. Dans cette ville ici, on avait des taxis climatisés. Il y avait des lignes de téléphonie fixes dans les arrêts publics. Et on a bousillé tout ça. Les politiques que vous êtes. Le problème, c'est nous-mêmes. Je suis pas à ce point de vue avec vous. Parce que l'homme, le Belge, par exemple, aussi le plan de l'aménagement du territoire. Le Belge nous a tracé des villes, des communes, comme la commune de Lemba. Les anciens nous disent qu'à Lemba, il y avait des espaces verts partout. Vous habitiez à Lemba, vous pensiez que vous habitiez au bord du fleuve. Tellement il y a de l'air frais. Mais aujourd'hui, tous ces espaces verts ont été vendus. Au point qu'aujourd'hui, les enfants n'ont même plus de terrain. C'est-à-dire que c'est pratiquement on a plus rien à inventer. Ce que nous avons à faire, c'est à innover, à améliorer. On nous a laissé des choses qu'il faut qu'on améliore, mais au lieu que les améliore, on est en train carrément de les casser. Ce que nous voyons aujourd'hui, par rapport au prix des poulets, je reviens sur la question, c'est simplement une décision populiste qui n'a pas été réfléchie. Même dans la façon de faire avec les entrepreneurs, il faut dire que l'État a décidé d'autorité, non, incitant les Congolais à produire à long terme. On parle de la compétitivité. La compétitivité veut dire rapport qualité-prix. Quelle est l'entreprise congolaise? Quel est un produit congolais qui peut être aujourd'hui compétitif face aux produits exportés? Même les tomates qui viennent de l'étranger, c'est pas des mêmes tomates qui sont fabriquées ici ou à dans les champs de nos mamans. Ce qui veut dire que il faut soutenir les entreprises congolaises. Aujourd'hui, je vois des alimentations partout. Il y a une alimentation qui est en train de prendre, des alimentations supermarchés, comme vous les appelez, qui sont en train d'être plantées dans toutes les communes. Moi, je vais donner le cas de ma commune de Limete, là où j'habite. Quand j'étais petit à Limete, sur la place de Saint-Marie, il y avait plus de 6 alimentations et des Congolais. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule. Et qui va disparaître bientôt. Hein. Parce que la concurrence des Indiens et des Libanais, qui viennent avec des millions de dollars, qui sont parfois subventionnés par les États, parce que l'Inde continue à une politique de subvention, la Chine aussi a une politique de subvention, ils inondent les marchés, et avec les exigences de branding, d'attractivité, là où un Chinois, et plutôt un Indien, mais s'ils avaient des moyens pour rendre son supermarché attractif, le Congolais a des moyens limités, et il va construire un taudis, où il met ses tomates et tout ça. Les jeunes gens ne vont pas là-bas, ils vont aller chez un Indien. La nature, à l'heure du vide, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut bondir consommant congolais,
Mais qu'est-ce que les Congolais utilisent pour que les Congolais consomment? Tout vient de l'extérieur, même les clients viennent de l'extérieur. Il faut qu'on repense la promotion des jeunes. Les jeunes ont des initiatives. Déjà, ils n'ont pas accès au crédit. Au Congo, on a des banques de dépôt, pas des banques de crédit. Or, la banque a été créée pour que les gens logent les économies, mais qu'on octroie des crédits à ceux qui ont des projets viables. Mais les Congolais ont des projets viables. La jeunesse congolaise ont des initiatives, ont des projets économiques, mais ils ont un sérieux problème d'accéder à des financements par ces banques qui privilégient les Occidentaux. Et même quand les Congolais accèdent à ces maigres crédits, c'est avec des taux de remboursement très salés, au point qu'au bout de 6 mois, l'affaire est close. On aura même vendu sur la maison qu'on a gagée. Il y a un sérieux problème de ce côté-là. Et donc, il aurait fallu, et nous, avec le président Élie Martin Fayulu, nous avons prévu cela, de faire de véritables réformes, et si le plan fiscal, et si le plan économique, des réformes d'accès et des réformes financières. Comment faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès au crédit aux Congolais, de les entrepreneurs congolais. C'est extrêmement important. Nous allons ne pas se développer sans que les Congolais accèdent au crédit. Sinon, on sera en train de tourner à rond. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h25, le jeudi. C'est à 11h pour la rediffusion. Je dis merci à tous les internautes qui nous écrivent à partir de l'extérieur, à partir du Congo profond ce soir. Je reçois le président national du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, M. Prince Epengue, avec qui nous sommes en train de réfléchir sur les problèmes de la démocratie du Congo. Nous avons parlé de l'économie, vous avez suivi M. Prince Epengue. Nous allons parler de la CENI. Nous sommes à quelques jours de la rentrée parlementaire le 15 septembre. Nous sommes déjà le 8, donc à quelques jours. Donc je me dis, dès que nous allons revenir, j'imagine que le Kakadima sera déjà entérimé de manière positive pour permettre à CENI d'aller de l'avant. Nous avons pris du retard. Est-ce que c'est un danger pour la République ou nous devons encore renégocier ce dossier de la présence de la CENI? Les élections relevant de la souveraineté de notre peuple, rien ne peut se faire en matière électorale sans que le peuple soit au centre. Ce qui implique que toute démarche partisane, toute initiative individuelle, tout comportement d'aller en solo pour boutiquer une loi électorale ou une loi sur la CENI qui exclut les autres ne peut être voué qu'à l'échec. On vient de voir le cas de la Guinée avec Alpha Condé. Alpha Condé vient de payer le prix de son entêtement, de son forcing, du bannissement du consensus. Aujourd'hui, il est en train de boire son menu orange sous le manguier. Le contexte n'était pas le même. Alpha Condé vient d'être réélu il y a moins d'une année, je crois, si je n'oublie pas. Et donc ici, nous sommes dans une position où nous avons déjà dépassé les 16 élections. Nous nous préparons pour 2 élections. Nous avons besoin d'un animateur discret, simple et sans parti pris qui peut bien gérer la CENI, pour éviter les erreurs du passé, bien sûr. Non, Alpha Condé, on lui fait payer son entêtement et son forcing. C'est exactement ce que M. Félix Tshilombo est en train de faire. Il est en train de forcer les choses. Il est en train de s'entêter. En instrumentalisant de Don Kamba, en instrumentalisant Citoyen Mbosso, quand vous entendez Mbosso qui vous dit « Les chiens aboient, la caravane passe ». Mais dans la sagesse bantou, on dit que quand un chien aboie, faut faire très attention. C'est qu'il y a quelque chose. C'est pas simple, même si là, c'est un âge, il y a gardé au village. Au village, quand un chien aboie, tout le village est en alerte. Parce qu'un chien peut voir un mauvais esprit et aboyer. Un chien peut sentir qu'il y a un problème de peur. Un chien peut vous avertir de beaucoup de dangers. Dans la tradition bantou, quand un chien aboie, la caravane ne passe pas. La caravane s'arrête pour scruter les environs. Ce n'est pas médité. Ici, il y a un sondage qui a été fait par vos confrères du cabinet d'études de Target, qui a démontré que 70% des Congolais exigent ou veulent voir la CENI. 70%. 70%
veulent voir la CENI totalement dépolitisée. En d'autres termes, les Congolais ne veulent plus que les politiciens puissent être dans la CENI de 2023. Et vous avez suivi les associations pour la démocratie comme la Lucha, Echa et les autres qui ont dit qu'il faut réformer la CENI. Réformer veut dire quoi? La CENI de 2006, la CENI de 2011, la CENI de 2018, il y a eu des politiciens dedans. Toujours la traditionnelle répartition, opposition, majorité, au sein même du bureau de la CENI. Et nous connaissons le résultat. Chaos, contestation de mort. Or, nous tous, nous savons les liens de causalité. Nous savons les liens de fraudes électorales et le développement du Congo. Tant qu'il y aura des fraudes électorales, tant qu'il y aura des contestations, tant qu'il y aura des nominations des présidents de la République et des députés, le Congo ne se développera pas. Pourquoi vous voulez qu'il n'y aura pas de progrès social? Monsieur Kadima n'a pas encore été élu. Pourquoi vous voulez qu'il y ait contestation? Est-ce qu'il n'y a pas de propositions à faire? Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Vaut mieux prévenir que guérir. L'homme prudent voit le mal de loin du temps. Vous voulez qu'on subisse les conséquences alors que nous connaissons déjà la cause. L'intelligence voudrait que les causes soient supprimées pour qu'on ne revive pas les mêmes conséquences. Parce que nous avions été mordus en 2006, parce que nous avions été mordus en 2011 et en 2018, nous disons changeons. Et le besoin de changement est ressenti par tous. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec l'IDP hier, quand nous étions alliés, on s'est battu, oui, dans l'opposition, bien sûr, on s'est battu pour que la CENI soit dépolitisée. En 2011, avec l'IDP, on avait même institué les manches quotidiennes, chaque jeudi. On avait dénommé ça jeudi serveur, pour dire que nous devons connaître la vérité à la CENI avant les élections. L'IDP arrive au pouvoir, l'IDP prend exactement la carapace de Kabila. Il est en train d'utiliser les mêmes manœuvres que Kabila. Si on a chassé Kabila pour avoir organisé des fausses électorales, pourquoi aujourd'hui vous voulez copier Kabila? C'est comme ça que nous disons, même cherchons un consensus. Le recensement, c'est aussi copier Kabila parce que Kabila. Mais bien sûr, parce qu'en 2015, il y a eu Charnier de Malouk, à cause du refus du peuple de recenser les gens. Aujourd'hui, on nous a mis le même recensement. En fait, Félix commet une erreur extrêmement grave. C'est qu'il pense qu'aujourd'hui, il peut gouverner la République avec les méthodes de Mobutu, avec les méthodes de Kabila. Les Congolais ont tout vu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le voit même venir avec ces méthodes-là. Ce dossier, moi je veux que nous puissions leur donner quand même cette chance, on dit les politiques, les parlementaires. Ce dossier passera au Parlement. J'imagine qu'il y a des groupes parlementaires, j'imagine qu'il y a, il y a beaucoup de groupes là-bas. Vous êtes sûr que ça passera facilement? Non, c'est pas une question des groupes parlementaires ou de députés. On dit que c'est une question éminemment de la nation. La CENI, on l'appelle CENI en sigle, Commission électorale nationale indépendante. Indépendante par rapport à qui et par rapport à quoi? Indépendante par rapport aux influences, évidemment, politiques. Mais dans cette commission que vous appelez indépendante, par rapport aux politiciens qui doivent être dehors, mais vous prenez les mêmes politiciens, vous prenez deux opposants de l'IFCC, comme vous les appelez, vous les mettez dedans. Vous prenez quatre, soi-disant majorité de Félix, vous les mettez dedans. Qu'est-ce qui reste encore de l'indépendance de la CENI? Ça veut dire qu'on aura fait la même chose, la même CENI, la même configuration qu'en 2018, vous voulez dire qu'il y aura des révolutions que vous proposez. Mais l'AMOCA, qu'est-ce que c'est qu'on a proposé? Et c'est ça l'avantage du président de Martin Fayulu et de l'AMOCA. C'est-à-dire des bonnes fois. Parce que être opposant ou être résistant, c'est aussi de monter sa capacité à dire les juges arrivent au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Nous, on a proposé quelque chose de simple, clair et limpide. Mais qui peut bloquer aussi le fonctionnement politique. Transparence à la CENI. Et la transparence, nous commençons par le président. On dit, avant, dans toutes les élections, on n'avait qu'un seul président. Cette fois-ci, qui venait de toutes les confessions religieuses. Cette fois-ci, nous en proposons 8. Nous voulons, comme ils sont 8 confessions religieuses, de chaque confession envoie un délégué. Pour qu'on ait 8 délégués qui fassent le collège des présidents de manière rotative. L'avantage est qu'ils vont se surveiller. L'expérience nous apprend qu'il est facile de corrompre une personne, comme on a corrompu Nanga, Malumalu et Ngomund.
il est très difficile de croire que 8 personnes au même moment aient le même besoin. C'est carrément impossible. Cette proposition, ça a déjà fait ailleurs, ça a marché, ou c'est ici qu'on va expérimenter ça? Mais 1 plus 4, ça n'a jamais été fait quelque part. Mais on l'a expérimenté ici et ça a marché. Et donc, c'est une proposition, une parade, une façon d'éviter la tricherie. Excusez-moi, j'aime bien le langage imagé. J'aime bien donner un exemple, je dirais, imagé. Allez-y. Il y a une époque où il y avait match Vitalmana ici, où il y avait beaucoup de gens qui allaient au stade à l'époque. Moi, j'étais un footballeur également. Et un jour. Vous allez jouer au football? Bien sûr. Un jour, on avait corrompu un gardien de but. C'est quoi? Je ne sais pas de l'Imana. Et le gardien a laissé filer le but dans son poteau. Mais après, les enquêtes se sont rendues compte qu'on avait voulu corrompre plusieurs joueurs. Évidemment, certains joueurs ont refusé. Et la vérité avait éclaté. Et il y a eu des enquêtes. Et les choses, je crois que le match était annulé, les joueurs étaient sanctionnés. Ce qui veut dire quoi? Dépend cette proposition de l'amour de mettre un délégué à la présidence de la CMI, si le pouvoir de Félix est corrompt 6, comme il a corrompu maintenant 6, les deux heureux. Monseigneur Outhembi vous a dit qu'il y a eu des jeeps et l'argent qui est sorti pour corrompre les confessions religieuses. Ils sont corrompus. On a corrompu les 6 là. Et les deux ont refusé. Vous voyez que là, il y a un blocage. Et la vérité a triomphé. D'ailleurs, c'est un principe physique. Vous pouvez l'appeler encore de la loi de Newton. Toute action correspond à une réaction de même intensité et de sens opposé. Et quand les deux actions de même intensité et de sens opposé sont là, au milieu, ils se neutralisent et la vérité triomphe. Et c'est comme ça, vous avez dit que la vérité a triomphé. Mais si on avait corrompu toutes les routes, s'il y avait un seul délégué que les juges Félix auraient corrompu, personne ne serait au courant. Comme Nanga, il était seul à la présidence, on l'a corrompu. Mais lui, il était seul, on l'a corrompu. Et maman était seul, on l'a corrompu. Mais là, on dit, évitons ça, changeons les choses. C'est ce qu'on appelle le réformer. Le réformer, c'est changer en améliorant. Et nous, on a proposé les choses de concrètes. Au niveau du bureau, nous disons qu'au bureau, nous ne voulons plus voir des délégués. Oh, tu as fini de poser à ma bureau, tu as fini de m'ajouter à ma bureau, nous ne voulons pas de ça. C'est tout ce que Martin fait lever avec la Mouka. C'est tout ce que le peuple veut. C'est le vœu du peuple. Mais c'est les Congolais qui disent nous espérons beaucoup aux élections de 2023. Avons-nous le temps de mettre en pratique tout ça? Parce qu'il faut dire, nous sommes déjà en 2021. Bientôt, c'est le mois de décembre 2022. Nous allons directement pour l'élection. Nous avons proposé un calendrier. Encore une fois, la Mouka fait des propositions. Vous savez quoi? Un parti politique n'est pas créé pour manifester, pour brûler des pneus. Un parti politique est créé pour produire des idées. Amener des idées qui sont meilleures et différentes à celles que le parti au pouvoir est en train de travailler. C'est ça le rôle d'un parti politique. Parce que si on pense que, oh, mais Bruno, vous savez, il dit, non, parce que vous n'êtes pas opposant. Non, c'est pas ça. C'est une des personnes qui résonnent par la tête, par les pieds. Un parti politique, c'est les idées avant tout. Vous voyez, par exemple, avec cette histoire des produits, des prix, des idées, l'idée n'a pas su comment s'y prendre. Et ils ont cassé les dents, ils amènent l'émotion. Au premier d'aller prendre des poulets avariés et amener au marché, oh, poulet fatigué, poulet de temps, et le moment qu'il a acheté, il va essayer le poulet pourri. Donc, quand on n'a pas des idées, on amène le mensonge, le cadeau chat. Et l'idée n'a pas les idées, il n'a pas cette idée par le mensonge. Il faut éviter ça. Un parti politique est un vivier. C'est là où on réfléchit. Là, on produit de grandes idées. C'est comme ça la Mouka. Et on vient de proposer la loi électorale. Et on a démontré que moins de mois, 2 semaines, c'est trop pour faire ces réformes-là. Il suffit seulement qu'il y a 3 parties prenantes. Il y a l'Union Sacrée avec M. Félix Tshilombo. Il y a le FCC avec Chabert ou Kabila. Il y a l'Union Sacrée et il y a la Mouka plutôt. La Mouka avec le président Louis Martin Fayulu, avec Femizuto, Prince Epeng et les autres. La société civile, son ensemble. Nous allons nous réunir autour d'une table une semaine, on dépolitise la CMI et on avance. On a démontré par notre calendrier, par A plus B, que le glissement est impossible. Impossible. On a du temps. Par rapport au recensement, je suis par là, rapidement. Donc vous allez faire le recensement comment? Déjà, vous l'avez appelé à juste titre. En 2015, nous avons marché pour dire à Kabila le rapport de recensement. Pourquoi Kabila avait voulu imposer le recensement? Parce qu'on nous a dit d'après le calendrier du ministre du Plan que si on commence le recensement aujourd'hui, le recensement va prendre fin au mois de mai.
2023. Alors que les élections peuvent avoir lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire que 3 mois avant les élections. Mais finalement, quand est-ce que nous aurons vraiment un recensement dans ce pays? Déjà que il n'y a pas de carte d'identité. Nous sommes en train d'aller dans cette situation. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et quand est-ce que nous aurons vraiment un recensement fiable et puis les cartes d'identité? C'est aussi le moment de... Alors, commençons par le commencement. C'est quoi le recensement? Le recensement est une opération statistique des dénombrements de la population et de leurs habitants. Nous sommes bien d'accord. C'est fait recenser les Congolais, mais recenser les vrais étrangers habitants au Congo. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Mais, en ce moment, je vous parle, d'après les Nations Unies, 6 millions de Congolais sont des déplacés internes, réfugiés dans leur propre pays. Vous allez faire recensement comment de ces Congolais-là? Les enfants de l'Équateur ont fui la famine et la pauvreté à l'Équateur, ils sont tous ici. Certains sont au Kisangani. Les enfants de Mbujimayi, du Kasai, de Kananga, de Tshikapa ont fui l'extrême pauvreté. L'agriculture est destinée. Les mines et les exploités pour vivre, nos frères vivent, sont à l'arrêt. Nos frères Kasaïens sont tous ici, sont tous au Katanga. Mais nos frères de l'Ituri ont vidé l'Ituri à cause de l'insécurité. Ils ont vidé les villages. Et nos frères du Nord qui vous ont vidé les villages. Mais maintenant, vous allez demander toutes ces populations comment? D'ailleurs, vous risquez de donner des statistiques erronées. En disant que là-bas, il y a 5 000 habitants, alors qu'en réalité, il y a 5 000 habitants. Vous allez dire à Ituri qu'il y a un recensement. Vous allez dire à Ituri qu'il y a 2 millions d'habitants, alors que là-bas, ils sont 4 millions, mais 2 millions autres ont fui la sécurité. Vous allez dire que ça, il y a 1 million d'habitants, alors que là-bas, il y a 3 millions, ils ont fui la famine. Un autre fait. Pour faire ça, il faut sécuriser les frontières. Les frontières du Congo sont poreuses. Le dernier rapport des Nations Unies dit que l'armée rwandaise est chez nous. L'armée ougandaise est chez nous. Ces groupes armés viennent partout. Il y a des groupes armés partout. Bon, vous allez recenser qui? Ces étrangers-là qui vont en profiter pour avoir la nationalité congolaise gratuitement, comme les Kinois l'ont dit dernièrement dans le Picou. Non, monsieur, le recensement se fera quand on va rétablir l'autorité de l'État. Comment? Eh bien, en commençant par avoir les élections, avoir des dirigeants légitimes, des présidents qui sont capables de taper le poing sur la table et obtenir gain de cause à l'Est. Quand les Congolais auront regagné les provinces, nos frères de l'Équateur, nos frères de Sankourou, nos frères de l'Ituri, nos frères du Nord-Kivu, nos frères du Kasaï, tous nos frères et là, nos soeurs vont regagner leur identité et d'origine, ils vont être chez eux. Et on va aller les recenser pour connaître exactement à chaque province il y a combien de Congolais. Aujourd'hui, si vous faites le recensement, vous avez envoyé tellement de millions d'étrangers, vous allez leur donner, plutôt vous allez recenser des millions d'étrangers, vous allez leur octroyer la nationalité congolaise yaoufébé. Est-ce que c'est bien ça l'objectif des recensements? Vous êtes en mal. Tout recensement, vous êtes ne passera pas, mais le temps qui passe, j'ai comme l'impression aussi par moment, vous proposez au niveau de l'opposition des choses qui sont assez compliquées pour essayer de faire perdurer les choses pour aller sûrement à un glissement entre guillemets ou un dialogue. Parce que là, déjà dans l'opposition, des gens se lèvent pour demander le dialogue. C'est peut-être ça la. Vous êtes un vieux métier dans ce monde de politique, enfin, comme journaliste, bien sûr. Et pourtant, en 2015, nous sommes levés pour empêcher le recensement que Kabila voulait nous imposer. Parce que pour Kabila, pour obtenir le glissement en 2016, il fallait commencer le recensement et avoir le prétexte que le recensement a trop duré. Là, on nous dit officiellement que le recensement, si il a lieu aujourd'hui, il va se terminer au mois de mai 2023. Et là, nous, d'après nos études, si on fait le recensement dans ce pays, ça doit prendre 5 ans. C'est-à-dire qu'au delà de 2023, ça passera pas. Lequel c'est la rentrée parlementaire, le venu le dialogue. Nous, on n'a pas peur du mot. Parce qu'il y en a qui veulent exploiter ça de manière abusive.
et politicien en disant oui, mais le mot dialogue, ça effraie les Congolais, parce que bien sûr, il a une charge historique suffisamment négative pour que les Congolais, quand vous citez dialogue, disent Bangoula Kabila a le pouvoir. Nous parlons, si nous avions voulu le pouvoir, si nous avons qui m'a fait, disons-nous des vérités. Tout le monde peut le nier. Ce qui me réjouit, c'est que Félix est même dans sa chambre, au fond de lui. Ce qui n'a pas été élu. D'ailleurs, vous savez ce que l'IDP se dit aujourd'hui? L'IDP se dit que nous avons fait une alliance avec Kabila pour avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, si on voit que le pouvoir risque de nous échapper, nous sommes prêts comme l'IDP à faire encore l'accord avec le diable pour conserver le pouvoir. L'IDP se prêt aujourd'hui encore à s'allier avec Kabila pour conserver le pouvoir. Et nous autres, on peut ici que nous, ils se parlent de Kabila. Nous, si nous avons voulu le pouvoir de Marie Raphaël, si nous avons voulu nous enrichir comme cela s'agit aujourd'hui, ça aurait été facile pour nous de dire à Kabila, il y a qu'à taper sur les signes. Mais nous avions dit non. N'oubliez pas, parce qu'un morceau de bois a beau virer au fond de la rivière, il ne deviendra jamais un paiement. On a comme l'impression que M. Kabila vous fait peur, il est déjà parti, Kabila n'est plus président. Kabila n'a même pas fait tout le temps dans les débats. Kabila n'a même pas fait. Il voulait donner un pouvoir. Surdimensionnel, je comprends pas. Kabila ne nous fait pas peur parce que nous, nous sommes ici du peuple et Kabila n'a jamais fait peur au peuple. D'ailleurs, la preuve, le peuple a fini par le déquiloter. Ce que nous disons, c'est que Kabila reste un allié de l'IDP. On peut le dire, le retour. Bon, écoutez, on n'a pas un parlement. C'est l'Assemblée nationale la plus médiocre de toute l'histoire du Congo. Et mes députés, même j'ai beaucoup de députés déjà à l'Assemblée qui m'ont dit ça. Vous avez vu que pas Molière dernièrement, je le savais en passant, monsieur le président. Papa Molière a dit dernièrement que nous regrettons maintenant Jani Mabunda. Ils ont chassé Jani Mabunda. On a chassé Mabunda parce qu'on disait que Mabunda était compétente. Aujourd'hui, Mbosso, c'est pas Mbosso qui est Mabunda. On est venu un peu du monde. Vous savez, Mbosso qui ne veut pas qu'on parle de rames. Mbosso qui ne veut pas qu'on parle de policiers qui tuent les jeunes. Et Mbosso aujourd'hui va se matérialiser ces jeunes pour dire vous allez marcher le même jour que la Mouka. Non, nous disons que Mbosso avait la provocation. Mbosso n'a plus rien donné à ce pays. Ce sont eux qui ont sacrifié la jeunesse congolaise par leur politique, une méthode politique. Nous disons le 15 septembre, le mercredi, tous les Congolais, sans civique, la marche, nous avons commencé par la Tchangou, mais nous avons cheminé jusqu'au niveau de Triomphal, dès 9h, mercredi le 15 septembre. Nous marchons pour dire, oui, il y a une CENI totalement dépolitisée, on ne veut plus de politiciens au sein de la CENI. Deuxièmement, nous marchons pour dire, il n'y aura pas de glissement. Troisièmement, nous exigeons un consensus. Et laissez-moi rendre hommage pour finir à l'Église catholique. À l'Église catholique et à l'Esprit. Parce que sans ces deux églises, Kabila ne serait pas parti. Ces deux églises, on a vu des prêtres catholiques mis en nous, dénudés, des sœurs catholiques violées, des sœurs catholiques, tuées. Les catholiques ont fait ça pour que les Congolais puissent avoir ce semblant d'évolution. Mais les catholiques et les SSP veulent maintenant se faire savoir le progrès en 2023. Parce que le peuple compte beaucoup amener un nouveau dirigeant. Un dirigeant qui a une vision, qui a une intelligence, qui contient son entourage et qui sait ce que Michel nous avait dit déjà à la fin. Et donc, le 15, nous demandons à la MONUSCO, voilà, c'est là, c'est la MONUSCO, c'est une marche pacifique. La MONUSCO va venir sécuriser la marche. Nous disons à tous les jeunes de la MOCA, les étudiants de l'État, de l'UNIKIM, de l'IPM, de l'IPC, tous ceux qui viendront, si tu attends un infiltré de l'IDP, parce que l'IDP s'est préparé, d'infiltrer les jeunes de cette démarche pour avoir des chants tribales. Si tu attends un jeune chanter contre une tribu du Congo, une tribu du Congo, contre la Tripotila, le Bandala, le Baswahili, le Bayaka, le Baluba, si tu sens quelqu'un chanter comme ça, ce n'est pas un membre de la MOCA, c'est un infiltré. Arrêtez-le pacifiquement à mener à la police. Le dimanche pacifique, tous les Congolais sont habités, y compris vous, parce que vous êtes Congolais. Nous allons suivre l'actualité comme on l'a toujours fait. Merci, M. François Pengué. Je rappelle que vous êtes de l'Action pour la démocratie et le développement ici en République démocratique du Congo, un parti politique. Merci à toi, Rodi Louadio, Serge Makosso. Merci à Samson Ilunga pour la confiance, la rediffusion. C'est jeudi à 11h25 sur la même chaîne, la télé-vérité. Allez. Moi, je vous dis, bye bye.